En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis. Les cœurs brisés, tu rétablis. Donnons la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers. C'est Dieu qui vint mourir au calvaire. Nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent de la foi, aux chancelants, tu tends les bras. Tu les appelles de ta voix. Venez à moi. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Mais donc, on va parler sur Juges, chapitre 3 aujourd'hui. Avant de commencer, si vous voulez bien, on va remettre nos cœurs au Seigneur. Seigneur notre Dieu, ce matin, comme d'habitude, on est ici. On s'est rendu, on a bravé les intempéries. On est ici parce qu'on veut entendre ta parole. Et puis, on approche toujours la parole avec beaucoup de respect et d'honneur. C'est la parole que tu nous as donnée, Seigneur, parce que tu nous aimes. On veut entendre la parole de la part de ton esprit. Ce matin, en particulier, Seigneur, je veux te demander vraiment de mettre un esprit de grâce et de vérité sur nous. De grâce, parce qu'on va voir dans le livre des juges qu'effectivement, on ne réussit pas à vivre selon les standards que tu nous demandes de vivre. Mais Seigneur, tu nous aimes. C'est ce qui doit ressortir. Tu nous aimes et tu nous relèves continuellement. Tu nous demandes de continuer. Tu nous donnes une dignité qui est définitivement pas normale avec nos comportements. La dignité vient de Christ, notre Sauveur. Donc, Seigneur, déjà imbibe nos cœurs de cette vérité-là maintenant. On veut sortir et puis avoir beaucoup d'espoir aujourd'hui. Savoir que Dieu nous appelle à lever notre tête, à reprendre le combat et à aller chercher les victoires avec toi pour le bonheur de notre marche avec toi. Sois avec nous, Jésus, s'il te plaît. Sois celui qui nous parle, c'est ce qu'on te demande. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, on est dans le chapitre 3 du livre des Juges. David a déjà fait une super belle introduction. Si ça ne vous dérange pas, moi, je vais mettre ça ici parce que je manque de place. David a vraiment fait une belle introduction. Jusqu'à date, moi, la série sur les juges m'a vraiment parlé. Dans les prédications qui ont précédé. Et là, aujourd'hui, je vais juste regarder l'heure. Y a-t-il un endroit où je peux voir l'heure, ici? Sinon, il faudra que je regarde sur ma montre. Il est 23. Parfait. Parce que, aujourd'hui, ce que j'ai voulu faire, c'est que là, on entre dans la suite. Ce qui avait été vu jusqu'à date, c'est que la génération qui avait connu Josué est entrée dans la fidélité. C'est-à-dire qu'ils ont, en fait, dans la fidélité, ils se sont vraiment engagés à marcher avec Dieu. Ils sont vraiment entrés de tout cœur dans la terre promise et ils ont livré les combats contre les nations qui étaient pour les influencer à désobéir à Dieu. Ils ont fait le combat. Ils ne l'ont pas fait au complet, malheureusement. Et comme David l'expliquait la semaine dernière, ils ont fait des alliances avec certains de ces peuples-là. Au lieu de les chasser, ils les ont laissés là.
Et puis, ils n'ont pas chassé d'autres nations qui étaient à l'extérieur aussi d'Israël. Et ce que ça a amené, c'est que ça a été une occasion de chute. Ça a été une tentation qui a été surtout effective après leur génération à eux. Et ça, c'est un des points que je veux qu'on voit ensemble aujourd'hui. C'est-à-dire que Dieu nous appelle à marcher avec lui. Puis ce qu'on va couvrir aujourd'hui en particulier, c'est le sujet de l'alliance que l'Éternel avait fait avec son peuple. Quels sont les paramètres de l'alliance dans lesquels Dieu nous a fait entrer par, on va le voir, par serment. Et puis, parce qu'ensuite, vous le voyez devant, on va faire le repas du Seigneur. Et le repas du Seigneur, c'est une manifestation de la nouvelle alliance qui a été faite dans le sang de Jésus. Et puis, j'ai intentionnellement dirigé mon message de manière à ce que ça fasse un tout avec l'événement qu'on va faire après de faire le repas du Seigneur. Ce que je souhaite, c'est que ce soit vraiment pour nous quelque chose d'extrêmement significatif. Donc, pour faire ça, j'ai été obligé d'aller dans plus de détails mécaniques. Et pour que ce soit plus facile pour vous, ben, j'ai fait un ensemble de dessins pour vous aider à comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Mais c'est ça qui est l'objectif aujourd'hui. Donc, et pour ce faire, on va se concentrer moins sur le texte lui-même que sur les principes importants qui sortent de notre passage dans le chapitre 3. Autrement dit, il faut qu'on pense plus rapidement sur le chapitre 3. On ne va pas le lire ensemble, mais on va lire plusieurs autres passages ensemble qui vont expliquer qu'est-ce qu'on voit devant nous au chapitre 3. Pour commencer, je vais vous faire un résumé. Donc, la première génération, comme je vous disais, c'est celle de Josué. Au chapitre 2, on voyait que la génération de ceux qui ont connu Josué ont marché avec l'Éternel jusqu'à ce que Josué meure. Ensuite, est venue une nouvelle génération qui n'avait pas connu, le texte nous dit, dans Juges chapitre 2, verset 10, une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Il aurait dû être au courant. Ça a été une erreur que cette génération-là a faite. Et on va le voir ensemble. Parce qu'il n'était pas question uniquement pour le peuple d'Israël d'être fidèle dans l'observation de la loi de Dieu pour nous-mêmes. Il était question d'attacher la prochaine génération à être profondément attachée à Jésus. Bon, dans l'Ancien Testament, il n'était pas question de Jésus encore, mais vous allez voir le parallèle avec nous, nécessairement, est avec Jésus. Donc, c'est ce qui se passe avec cette génération-là. Et par conséquent, il se retrouve, on voit au début du chapitre 3 ici, « Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël et tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. » Donc Dieu, dans le fond, a travaillé avec ce qui avait été laissé par la génération d'avant. La génération d'avant était supposée de se débarrasser de ces nations-là pour ne pas imiter leur façon de vivre. Ça voulait dire d'adorer des dieux qui ne sont pas l'Éternel, d'avoir toutes les coutumes qui viennent avec. Ils n'étaient pas supposés de faire d'alliance, c'est ce qui avait été prescrit par Dieu au travers de Moïse, ni par le mariage, ni d'aucune autre manière. Ils étaient pour non seulement les chasser, mais faire en sorte que leur influence ne soit plus là pour les faire dévier dans leur attachement à Jésus ou à Dieu, dans lequel ils étaient entrés dans l'alliance. Donc, on voit que dès le début, cette situation-là, elle existait. C'est-à-dire que la nouvelle génération qu'on voit au chapitre 3, ils entrent eux autres dans un travail à moitié fait par la génération d'avant. Il manque un bout qu'on va voir ensemble. Donc, on voit que par la présence des nations idolâtres au milieu d'eux, versets 1 à 2 et verset 4, que Dieu a choisi d'éprouver la nouvelle génération, comme on vient de lire. Il souhaitait voir... en réalité, ils souhaitaient voir s'ils choisiraient pour eux-mêmes de servir l'Éternel. Et puis, ça se manifesterait par le fait qu'ils continueraient à se livrer à ces guerres-là pour enlever ces nations-là, puis enlever leur influence au milieu d'eux. Mais finalement, ce qui s'est passé, on le voit au verset 6 et au verset 7, c'est-à-dire qu'ils sont tombés dans l'idolâtrie. D'abord, ils n'ont pas choisi l'Éternel. Ils n'ont peut-être pas été conduits à prendre cette décision-là. Ensuite, il y avait les nations qui étaient au milieu d'eux. Et ce que Dieu avait prédit, c'est réellement passé. C'est-à-dire que sous l'influence des autres nations, ils se sont mis à prendre leur façon de vivre et littéralement adorer d'autres dieux. Et ça a conduit ensuite à l'oppression. Ils sont devenus sous l'oppression. Et on va voir ensemble, bien sûr, aujourd'hui, que tout ça est une image du péché dans nos vies. Et c'est une image, vous allez le voir, c'est pour ça que je vais faire le lien avec,
avec la Nouvelle Alliance, c'est une image qui se reproduit exactement dans nos vies. Quand on vient à Christ, qu'on se donne à lui, et que Dieu nous demande de rejeter ces actions-là ou l'influence du monde dans notre vie pour nous consacrer uniquement à lui. On livre un combat quand on découvre Jésus comme sauveur. Pendant un certain bout de temps, on vit des victoires, puis des victoires, puis des victoires, puis il arrive un temps, parce qu'il ne faut pas juger trop vite la génération de Josué, il arrive un temps où on surfe un peu sur les combats qu'on a eus, puis il en reste à livrer. Puis là, ben, c'est moins urgent. Et là, il embarque des compromis. Et ce qui arrive avec le compromis, c'est qu'il se retrouve une présence du péché dans nos vies. Et puis, je veux juste vous dire, dès le début, là, je dis dans nos vies, puis je parle de nous, hein, je ne parle pas de vous. Tu sais, dans le sens que j'explique ma vie en vous racontant ça. On est tous dans ce bateau-là, on le constate tous. Il n'y a personne qui peut dire, à part Jésus, que lui est arrivé à un maintien complet, puis qu'il a renoncé complètement au péché. Malheureusement, c'est notre histoire à tous. Mais tous, à des plus grands ou des plus petits niveaux, on a perdu le contrôle au péché. Et il arrive un temps où le péché nous contrôle. Il nous asservit. Au début, la promesse du péché, c'était « Oh, tu vas triper. Il n'y a rien là. T'arrêtes quand tu veux. » C'est pareil comme les substances, c'est facile à dire. « Ben oui, t'arrêtes quand tu veux. » Jusqu'à temps que tu te rendes compte, parce que ça faisait longtemps que tu ne voulais pas arrêter, que le jour où il se manifeste que tu veux arrêter, tu ne peux plus. Il te contrôle. Et ça, c'est ce qui se passe avec eux ici. Ils sont dans une situation où ils sont sous l'oppression des nations qui ont toléré. C'est ce qu'on voit ici au verset 8, qu'ils sont sous l'influence de la Mésopotamie. Pendant 8 ans, ils ont été asservis à eux. Donc, quand on se retrouve dans une situation où on est dominé par quelque chose qui est plus fort que nous, eh bien là, le peuple, il crie à l'Éternel. C'est ce qu'on voit au verset 9. Il crie à l'Éternel. On a crié à l'Éternel, nous aussi. On s'est retrouvés dans des situations comme celle-là où on doit absolument avoir un secours qui vient de lui parce que nous, on n'a plus la force de livrer le combat contre quelque chose qui est plus fort que nous. Et là, Dieu envoie Othniel, qui est le premier de ces juges-là au chapitre 3. Othniel qui va être envoyé pour... Et ça, c'est important. Ça, c'est hyper important. Parce qu'on pourrait dire que Dieu a entendu le cri et qu'il a fait en sorte que les nations ont décidé de dire « Hey, c'est plate, la vie ici, on s'en va. » Puis que les nations partent par elles-mêmes. Non. L'histoire des juges, c'est qu'il suscite un juge qui va être la force qui est envoyée par l'Éternel de livrer à nouveau le combat. Ça, c'est hyper important de le comprendre. Parce qu'on peut avoir l'impression, nous autres, dans notre tête, c'est comme « Ça va être réglé. Dieu va me délivrer. Je n'aurai pas besoin de me battre. » Non, c'est ça que le livre des juges nous explique. On est dans un combat, on va le rester toute notre vie, on va se battre. Dieu va apporter des délivrances, mais il va apporter des délivrances en nous soutenant dans l'engagement renouvelé à se lever et à se battre contre le péché, jusqu'à ce qu'il nous donne la délivrance. Et c'est ça qui se passe dans les juges, parce que là, vous voyez... Bien sûr, ils ont échoué, mais ils crient à l'Éternel, puis l'Éternel ne les rejette pas. Il entend leur cri et il leur envoie quelqu'un qui va les délivrer. Donc, pendant 8 ans, il avait été sous la domination de la Mésopotamie. Othniel est celui qui les amène à la guerre à nouveau et ils obtiennent une libération qui va durer 40 ans. C'est intéressant parce que c'est la durée d'une génération. Donc, ils ont vécu la délivrance, puis ils ont roulé dedans. Ensuite, si le pattern, on ne veut pas qu'il se reproduise, il va falloir qu'ils enseignent à leurs enfants à se battre, à choisir l'Éternel, à prendre des décisions pour lui, à comprendre les implications du monde, à savoir comment les discerner, puis à prendre des décisions claires de se garder pour l'Éternel. S'ils ne le font pas, c'est un pattern qui va revenir. Et l'histoire des juges nous dit, ou nous montre, que le pattern revient. Donc là, c'est ce qu'on voit au chapitre 3, parce que là, il y a l'histoire de 3 juges qu'on voit ici. Ensuite, la deuxième génération, verset 12, puis je vous encourage à lire le chapitre 3 cette semaine. Vous allez voir, parce que là, je fais juste sortir les versets, puis je vous fais sortir les grandes lignes de ce qui se passe. Puis ensuite, comme je vous dis, on va développer le message sur les alliances. Donc, malheureusement, au verset 12, la génération suivante tombe dans l'idolâtrie.
ils choisissent un autre Dieu que l'Éternel, comme eux avaient fait au début. Sous l'oppression des nations, les Moabites, les Ammonites, les Amalécites, verset 12, ils sont oppressés pendant 18 ans. 18 ans à ne pas avoir leur liberté. Eux qui ont été appelés à la liberté, eux qui ont été appelés à être en possession de la terre que Dieu leur avait promis. Pendant 18 ans, ils sont asservis à quelqu'un qui est plus fort qu'eux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils crient à l'Éternel. Quand ils crient à l'Éternel, on voit ça au verset 9, eh bien, l'Éternel leur envoie, leur suscite Éhud, qui est le deuxième des juges, pour les libérer. Qu'est-ce qu'Éhud va faire? On voit les versets 20, ben, à partir du verset 15 jusqu'au verset 30, mais en particulier versets 27 à 30, il les livre à la guerre, il les amène à la guerre. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ils obtiennent une libération qui, elle, va durer 80 ans. 80 ans de libération contre les Moabites, les Ammonites et les Amalécites. Mais il y a une troisième génération, puis c'est pas trop clair quand même dans le passage, parce qu'à la toute fin, il est question du troisième juge, mais on fait juste le mentionner au passage. Et puis, il n'y a pas d'histoire à propos de lui. Il est mentionné que lui aussi a été un juge qui a libéré Israël. Donc, on peut s'imaginer qu'il a été là dans la génération suivante. Donc, après peut-être la génération qui a connu la délivrance. Parce que ce qui est dit, en tout cas, au chapitre 4, verset 1, c'est que, on va le lire ici, « Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après qu'Éhud fut mort. » Donc, si la délivrance a duré 80 ans, ça ne veut pas dire qu'ils ont passé le flambeau à la génération d'après. Parce que après qu'Éhud soit mort, le même pattern est revenu. C'est pour ça qu'on pense que la mention d'Éhud, chronologiquement, ici, pas Éhud, pardon, Shamgar, comme un nouveau juge en Israël, a probablement référence encore à la génération suivante qui a été encore oppressée. Pas par les mêmes, mais par une autre nation. Donc, un autre péché, on pourrait dire. Donc ça, c'est le pattern qu'on voit. Mais là, maintenant, la découverte que je souhaite faire avec vous aujourd'hui, c'est vraiment celle d'un beau petit dessin que je vous ai fait. Et on va commencer par... Je ne sais pas si je peux mettre la première slide. OK. On va commencer par lire le passage à propos de l'Alliance. Je veux qu'on comprenne ici pourquoi Dieu traite les Hébreux comme ça. Dieu aurait pu les laisser tranquilles et dire, bah, tu sais, c'est bien correct, ils font un peu comme les nations, mais ils sont un petit peu mieux que les nations. Mais pour comprendre pourquoi Dieu agit comme il agit là, il faut comprendre comment ils sont entrés en relation ou en alliance avec l'Éternel. C'était une alliance dans laquelle le peuple, Dieu est venu à eux, il s'est révélé à eux et leur a dit, « Moi, le seul vrai Dieu, je vous ai choisi, vous, pour être mon peuple. » OK? « Je vous ai choisi, vous, pour être mon peuple. Je vais vous bénir, je vais vous donner la liberté, une terre dans laquelle vous allez pouvoir être libre de me servir. Mais vous m'appartenez. Est-ce que vous voulez entrer dedans? » Il l'a demandé. Ça, David l'a mentionné dans sa première prédication là-dessus. L'Éternel a donné la possibilité. Est-ce que vous voulez entrer? Et puis ça se passe, pas le passage qu'on voit là, mais parce que là, on va traiter des passages qui sont dans Deutéronome. Ça, c'est juste une parenthèse par rapport à... Deutéronome veut dire deuxième loi. Deutéronomos, qui veut dire deuxième loi. C'est la deuxième fois où Dieu rappelle la loi. Les 10 commandements ont été donnés au départ, et la loi, au travers de Moïse, dans Exode, ça se développe dans Lévitique et dans les Nombres. Et ensuite, toute la génération qui est morte dans le désert, qui avait reçu la loi de Dieu, eh bien, Dieu, au travers de Deutéronome, donne la loi à nouveau à la nouvelle génération. Et ce qui est magnifique dans le livre de Deutéronome, je suis encore dans ma parenthèse, c'est l'omniprésence du thème de l'amour. Et continuellement, il leur dit, « L'Éternel vous aime, aimez l'Éternel, attachez-vous à lui. » C'est l'amour déborde de partout, c'est ce qui doit les motiver, eux. Ils doivent comprendre que lui, il les a choisis parce qu'il les aime, et il le dit expressément. Et ensuite, ils doivent le choisir comme réponse à son amour. C'est ça qui doit motiver ensuite l'entrée dans le pays, la haine du mal, la guerre contre les nations. C'est l'amour qui doit les amener à faire ça. Mais quand il les engage au travers de Moïse,
et qui leur dit, vous entrez dans une alliance, c'est solennel, parce que là maintenant, vous allez être mon peuple, vous allez m'appartenir, vous ne vous appartenez plus, vous n'êtes plus à vous. Vous êtes, de toute manière, la nation ne s'appartenait pas à elle-même. Avant de donner notre vie à Jésus, on appartenait au péché, on était sous sa condamnation. Big deal qu'on nous dit que, ben oui, tu as besoin de perdre ta vie. Perdre ta vie est déjà perdue. Que gagnerait-il, que donnerait un homme en échange de son âme? Ou que servirait-il un homme de gagner tout le monde s'il se perdait lui-même ou il perdait son âme? On était esclaves du péché. On était sous sa domination. On était séparés de Dieu. Et là, donc, il nous amène en disant, je rachète ça, mais pas juste pour te lâcher lousse en disant, c'est fait, tu es libre. Non, tu es libre de me servir comme tu avais été créé pour le faire. Ça, c'est hyper important. Le peuple ne s'appartient pas. Le peuple entre dans une alliance dans laquelle vous avez choisi l'Éternel, il vous a choisi, vous avez répondu, vous devenez son peuple, et maintenant, la part de ce que Dieu veut faire, c'est de vous donner la bénédiction. Votre part à vous, c'est l'obéissance. Sans quoi, la bénédiction en question va être transformée par la correction de Dieu ou la malédiction. Donc, l'alliance. Ça, c'est dans Deutéronome 29, versets 10 à 13. Quand il leur rappelle l'alliance. Là, dans Deutéronome, Dieu rappelle à la nouvelle génération l'alliance qu'il avait donnée à la première génération au travers de Moïse. Vous vous présentez aujourd'hui devant l'Éternel, votre Dieu, vous tous, vos chefs de tribu, vos anciens, vos officiers, tous les hommes d'Israël, vos enfants, vos femmes. Je prends la peine, je l'ai mis au complet pour qu'on le voit au complet. Que les enfants, les femmes, tout le monde entre dans l'alliance. Ce n'est pas supposé d'être juste toi. Il dit, vous devenez mon peuple, c'est à perpétuité. Vos enfants embarquent là-dedans aussi. Vous allez voir après qu'il y a un plan pour enseigner les enfants. L'étranger qui est au milieu de ton camp, l'étranger en passant, ce n'était pas les nations. C'était ceux qui s'étaient tournés vers l'Éternel. On voit quand ils sortent d'Égypte qu'une partie de l'Égypte qui a vu les miracles qui se sont faits en Israël et qui se sont joints, ils se sont convertis à Israël. Ils sont considérés comme des nations qui se sont attachées à l'Éternel et qui sont devenues une part. Eux, ils entrent dans l'alliance aussi. Donc, et l'étranger qui est au milieu de ton camp, de celui qui coupe ton bois jusqu'à celui qui puise ton eau, tu te présentes pour entrer dans l'alliance de l'Éternel, ton Dieu, dans cette alliance contractée avec serment. Ça, c'est un contrat. Avec serment. Et que l'Éternel, ton Dieu, traite en ce jour avec toi afin de t'établir aujourd'hui pour son peuple et d'être lui-même ton Dieu, comme il te l'a dit et comme il l'a juré à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Donc, tu peux passer la prochaine slide. Oh boy! Hey! Est-ce que vous le voyez pas pire quand même? OK, sur ma télé-là, je vois ça tellement petit que j'ai l'impression que mes lunettes viennent tout d'un coup de perdre leur efficacité. Là, on va faire une ligne, OK? Alors, on a une ligne entre les deux. Il y a la malédiction, il y a la bénédiction. On ne va pas prendre le temps de les lire, mais dans l'alliance que Dieu a faite avec eux, il y a des termes. Puis dans ces termes-là, on voit la bénédiction dans Deutéronome 28, entre autres. Mais en réalité, c'est du chapitre 28 jusqu'au chapitre 30. Il mentionne ces bénédictions-là ou les malédictions. Et il leur dit... les deux scénarios sont devant vous. Maintenant, vous êtes entrés par un serment ou un contrat dans l'alliance. Vous pouvez choisir l'obéissance. Et là, vous allez dominer sur les nations. Vous allez avoir la liberté. Vous allez être les premiers et non les derniers. Vous allez rayonner au milieu de toutes les nations. Vous allez être la lumière de l'Éternel sur la terre, en quelque sorte. Il va les bénir. Il leur explique de long en large toutes les bénédictions qu'il va leur donner. Mais il leur dit, si vous ne respectez pas le contrat et que vous décidez plutôt de désobéir, de vous attacher à d'autres dieux et de faire des alliances avec le monde, voici les malédictions qui vont suivre. Prenez quand même la peine de mentionner que versets 1 à 14, les bénédictions, puis versets 15 à 68, les malédictions, la liste est plus longue d'un bord que de l'autre. Et ultimement, il amenait même, Dieu l'avait même dit à l'avance, qu'il était même pour ultimement être déporté. C'est-à-dire que la terre dans laquelle il avait été envoyé, il soit envoyé dans une autre nation. C'est ce qui s'est passé finalement au terme des rois d'Israël avec la déportation à Babylone. Dieu les aurait amenés quand même. Ils n'ont jamais cessé d'être son peuple. Dieu n'a jamais enlevé la partie de son contrat à lui. Dieu n'a jamais renié son peuple.
Encore une parenthèse, à ce jour, Dieu n'a pas abandonné Israël non plus. L'Église est entrée par la grâce, parce qu'ils se sont endurcis, mais je suis de ceux qui pensent que le plan de Dieu continue d'agir au travers d'Israël, et qu'à la fin des temps, durant les 7 années de la tribulation, Dieu recommence à gérer les choses du monde au travers d'Israël et l'Église, par conséquent. Cette position-là conduit aussi à considérer que l'enlèvement de l'Église se fait avant la tribulation, au moment où la parenthèse de l'Église se termine et que Dieu continue pendant 7 ans de gérer les choses du monde au travers d'Israël. Dieu n'a pas abandonné son peuple. Dieu, quand il fait une alliance, il ne la brise pas. Et il ne la brise pas avec ceux avec lesquels il a fait l'alliance. On pourrait dire que Dieu continue son alliance au travers de l'Église. C'est une autre alliance, ce n'est pas la même. Mais la première alliance, elle est remplacée par la nouvelle, mais le travail que Dieu faisait avec Israël n'est pas terminé, il va finir son travail. Ici donc, on a ces scénarios-là. On a la génération 1 qui est ici, et tu peux mettre la prochaine slide. Excuse-moi, ta minute, recule. Oh mon doux, ça... C'est ça, je vois qu'on ne voit pas au complet, parce qu'il y a une boîte à gauche. Je la vois ici, mais je ne la vois pas sur l'autre. Ah, je vais vous l'expliquer, parce que vous allez voir les prochaines qui vont venir. Il y a une boîte à gauche, mais là, les versets, on ne les verra pas, mais tu peux... OK, bon, il y a une boîte semblable à ça, mais elle est à gauche, et puis c'est l'Alliance. Elle est au milieu, la boîte de l'Alliance. Elle est au milieu, entre les deux lignes. Parce que quand ils font l'Alliance, ils peuvent partir en haut, ils peuvent partir en bas. OK. Parfait. Tu peux reculer en arrière, on va lire le prochain passage. Maintenant, ils sont appelés dans cette alliance-là à différentes choses. La première chose, et qui est très importante, ils sont appelés à aimer l'Éternel et à observer ses commandements. Bon, vous ne verrez pas, mais de toute façon, je vais vous le lire. Dans Deutéronome chapitre 6, versets 5 à 6, il est dit, « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Vous voyez à quel point c'est important, ça? Le commandement, c'est d'aimer. Le fruit de ça, c'est de garder les commandements dans son cœur et de livrer les combats qui vont avec. Si on ne le fait pas dans cet ordre-là, on produit du légalisme. C'est-à-dire qu'on pense que l'Éternel va t'aimer à cause de la qualité des commandements que tu observes. On n'est pas capable d'observer des commandements si ce n'est pas qu'on est gagné par le cœur de celui qu'on aime. C'est crucial. Donc, tu peux passer à la prochaine slide. Donc, on ne voit pas la boîte à gauche, mais vous voyez la flèche qui monte. En fait, la flèche monte de la boîte qui est l'Alliance, puis elle conduit ici en haut, dans la catégorie de la bénédiction, ce qui est représenté en jaune, qu'on doit aimer l'Éternel et observer ses commandements. C'est ce qu'on voit dans Deutéronome, chapitre 6, versets 5 à 6. On peut voir le prochain passage. Ensuite, il devait faire la guerre aux influences idolâtres. On voit ça dans Deutéronome 7, ensuite, le chapitre suivant, les versets 2 à 5. « Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit, tu ne traiteras point alliance avec elles, et tu ne leur feras point grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Ils te détruiraient promptement. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles, et vous brûlerez au feu leurs images taillées. » Donc, la deuxième chose qui devait arriver, tu peux envoyer la prochaine slide, c'est que l'Alliance devait nous amener à aimer l'Éternel de tout notre cœur et puis à observer ses commandements. Ça devait se manifester par faire la guerre aux influences idolâtres. Ça va jusque-là? Prochain passage. Il devait ensuite transmettre la foi à la prochaine génération. C'est ce qu'on voit au chapitre 6, versets 5 à 9. Il dit, « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Attendez, je pense que je n'ai pas mis le bon passage. Oui, OK. Oui, c'est ça. « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » Ça, c'est juste la partie qu'on a lue tantôt. «
Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Puis on va lire un prochain passage ensuite, mais je vais juste arrêter sur celui-là. Tu peux revenir à l'autre juste avant. Éric, s'il te plaît. Oui, juste avant. On retourne en arrière. Vous voyez, là, vous voyez que c'est une conséquence de l'amour. Vous en parlez. En passant, tu sais, je disais que si on n'est pas attaché avec tout notre cœur à l'Éternel, la seule chose que ça va produire, c'est du légalisme. Bien, vous savez que les Juifs, comment ils interprètent ça? Les Juifs orthodoxes, assidiques, ils mettent littéralement des passages où ils ont installé la loi. Les rabbins, entre autres, ont un genre de petit compartiment, un genre de petit bloc qui contient les passages en question, qu'ils ont mis sur leur front et tout. En passant, tu te tatouerais les passages sur ton corps, ça ne changerait absolument rien. Ce n'est pas la forme extérieure qui change quelque chose. C'est la forme intérieure. Ce qu'il est en train de dire ici, c'est que ces commandements-là, parce que tu aimes l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, tu en parles tout le temps à tes enfants. C'est pas parce que c'est ton rôle de parent puis que il faut que je fasse ma job d'enseigner mes enfants. C'est toute ta vie. Ce que tu aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, c'est toute ta vie. Et s'il y a quelque chose, je pense, qui fait le plus de travail dans la vie de nos enfants, c'est le fait qu'on aime l'Éternel et il nous voit le faire. On le choisit. C'est toutes les fois où vous avez refusé de faire un compromis par rapport à quelque chose et qu'ils l'ont vu. Ils sont témoins de ça. En faisant ça, ils apprennent à marcher avec l'Éternel. C'est toutes les fois où vous avez pris vos enfants. Puis tu sais, par la grâce de Dieu, puis là je veux faire attention, nos enfants doivent choisir l'Éternel. Hein? On ne peut pas choisir à leur place. Il y a une part de... Tu sais, on peut pas... Tout ne dépend pas du parent. Mais la partie qui dépend de nous, c'est de les aimer et d'aimer l'Éternel et de les accompagner à ce qu'ils deviennent des disciples de Jésus. Ensuite, ils vont prendre leurs décisions et puis on ne peut pas les prendre à leur place. Mais par la grâce de Dieu, nos deux enfants sont attachés à Dieu, marchent avec Dieu et puis c'est une partie intégrante de leur vie. C'est une grâce incroyable que Dieu nous a donnée. Je me souviens que quand on a élevé nos enfants, je me souviens d'avoir pleuré devant la bassinette, d'avoir dit « Seigneur, si tu ne viens pas les chercher, si tu ne viens pas parler à leur cœur, je ne sais pas ce que je peux faire. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour leur montrer à quel point tu es aimable et tu es désirable et que celui qui t'aime rayonne. Je vais faire tout pour le vivre avec eux, mais je ne peux pas le faire à leur place. » Mais ensuite, on a élevé nos enfants, je me souviens de plein de situations où ils nous ont vus effectivement prendre des décisions pour Dieu. Ils nous ont vus dans des situations précaires parce qu'on avait pris des décisions pour Dieu. Ils nous ont vus passer au travers de ça. Ils ont vu Dieu prendre soin de nos besoins. Ils ont vu comment on s'est attendu à Dieu quand on avait besoin de lui. Ils ont vu aussi que quand il y avait besoin de prendre des décisions, on ne les a pas pris à leur place. Je me souviens de situations, par exemple, où notre fils, il était jeune. Nick, il avait quel âge, Jean-Bessin? Peut-être 8 ans, 7-8 ans? Peut-être, je ne sais pas. Puis il y avait un petit ami qui habitait en face de chez nous. Et puis, il n'avait pas une bonne influence sur lui. Et c'est un petit bum, tu sais. Dieu aime les petits bums, mais tu ne veux pas que ton enfant devienne un petit bum. Et puis, on le sait que l'influence finit par faire en sorte que qui se ressemble s'assemble. Et puis... tu sais, tiens-toi avec des sages et puis tu vas toi-même devenir sage. Mais, tu sais, on a expliqué à Jean-Bastien. On n'a pas accepté de faire le compromis de l'empêcher de voir son ami. Pourquoi je dis que c'est un compromis? Parce que ça, c'est une décision qu'on aurait prise à sa place. Et que si son cœur à lui n'a pas décidé de se sanctifier pour se mettre à part, pour lui ne pas être influencé comme ça, il va le faire pareil. Et il va juste le faire en cachette. Il va le faire quand on ne le verra pas, mais il va le faire. Mais ça te fait paniquer comme parent, parce que tu ne contrôles plus, là. Tu voudrais contrôler puis dire, c'est comme, non, tu n'as pas le droit, point final. Sauf que l'Éternel l'appelle, lui, à prendre sa décision. Fait qu'on était obligé de dire... Jean-Bastien, il a fallu vraiment lui expliquer comme il faut. On a fait la même chose avec Mirka à plusieurs reprises. On lui expliquait, voici ce que ça peut produire comme résultat sur toi ensuite, mais tu dois prendre ta propre décision. Je ne peux pas la prendre à ta place.
Tu peux décider de continuer d'avoir ton ami ou tu peux décider de plus de choisir d'autres amis. Par la grâce de Dieu, je pense que ça l'a interpellé, ça l'a obligé, mais on a voulu stimuler ça dans la vie de nos enfants depuis qu'ils étaient tout petits, de développer la capacité de décider, de prendre une décision. Et ça, ça s'est passé à plein de reprises. C'est juste un exemple, mais ça s'est passé à plein de reprises dans leur vie, jusqu'à ce qu'ils deviennent adolescents. Là, vous vous souvenez, il y en a qui êtes plus proches que d'autres de l'adolescence, d'autres vous êtes encore dedans. Et puis, il faut décider. Il faut décider. On essaie d'éviter de décider. Puis à un moment donné, puis là, je n'ai pas assez de temps pour vous donner plein d'exemples, mais il y a des exemples au moment de leur adolescence aussi où il a fallu que... Puis il y a même des situations des fois où j'ai passé des mois à travailler sur le cœur de mes enfants tout seul, sans même que ma femme soit au courant. Puis c'est pas parce que je voulais lui cacher de quoi, c'est parce que je voulais pas qu'ils se sentent sur le spot. Je voulais pas qu'ils se sentent comme menacés ou comme si on les jugeait, mais que je les ai accompagnés en disant « on est ensemble dans ce bateau-là ». On apprend à devenir des disciples de Jésus. On décide de marcher avec lui. On va vivre ça ensemble. Et par la grâce de Dieu, ils finissent par répondre à Jésus. En fait, on souhaite. On ne peut pas le garantir. Puis je ne veux surtout pas vous donner l'impression que si vos enfants n'ont pas pris des décisions de marcher avec Dieu, c'est de votre faute. On doit faire tout ce qui est possible pour le transmettre d'une génération à l'autre. Mais moi, je me souviens, quand ils étaient tout petits, mes enfants, ce passage-là m'a coupé les jambes. J'ai tellement vu le passage, puis il m'a tellement ébranlé que je me suis dit, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup influencé. Je me suis dit, il faut absolument, absolument que ce soit central dans ma vie, puis que mes enfants, on les amène à... Tu sais, comprenez-moi bien, si je dis ça, c'est pas pour se péter bretelles. J'espère juste donner un exemple de comment on doit orienter nos vies. C'est le cœur de ce passage-là qui est important. On peut passer à la prochaine slide. Parce qu'il continue en lien avec les enfants, un petit peu plus loin, au chapitre 6 de Deutéronome, en disant, « Lorsque ton fils te demandera un jour, parce que ça va venir, hein? Si tu as été délivré par l'Éternel, tu es entré dans la terre promise, l'Éternel a ouvert la mer, il a chassé les nations devant vous, il vous a fait entrer là, c'est comme, « Hey, on est ici, nous autres, mais... » Il va te demander un jour, « Que signifient ces préceptes, ces lois, ces ordonnances que l'Éternel, notre Dieu, nous a prescrits? Pourquoi on est obligé de respecter ça, nous autres? Pourquoi on est obligé? Vous comprenez le principe? Pourquoi on est obligé? Il faut leur faire comprendre. Non, non, on n'est pas obligé. On le veut. Parce qu'on l'aime. Mais elle va venir la question. C'est important. Mais pourquoi? Tu diras à ton fils, nous là, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte. Et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. Moi là, j'étais un esclave. Dieu est venu me chercher. Tu comprends? Il nous a délivrés. Nous. Oui, c'est ça qui s'est passé. Il faut voir l'enthousiasme là-dedans ici. Il nous a fait sortir par sa main puissante. L'Éternel a opéré sous nos yeux des miracles et des prodiges, grands et désastreux contre les Égyptiens ou contre l'Égypte, contre Pharaon et contre toute sa maison. Et il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il a juré à nos pères de nous donner. Donc là, vous expliquez votre histoire. Vous expliquez votre vie. Vous expliquez vos tripes. Non. Tombe pas dans le piège. On n'est pas obligé. On le veut. On le veut parce qu'il nous aime. Il nous a rachetés parce qu'il nous veut. Il veut notre bien. Il veut notre bien. C'est pour ça qu'il nous donne sa loi. Il veut la bénédiction pour nous. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ses lois et de craindre l'Éternel, notre Dieu, afin que nous fussions toujours heureux. Vous le voyez? Afin que nous soyons toujours heureux. Ce n'est pas pour nous rendre misérables que Dieu nous fait respecter des commandements. Quand on est adolescent, particulièrement quand on devient adolescent, on se sent même des fois. C'est comme, coulez, tous mes amis ont le droit de triper, eux autres. Ils font ce qu'ils veulent. Là. Eux autres, ils ont du fun. Moi, je passe mon temps à avoir le droit de rien faire. Laissez passer le temps. C'est une chose qu'on apprend quand on est plus vieux. Que l'apparence est trompeuse. Que pendant qu'on pensait triper, on se mettait des chaînes à nos mains puis à nos pieds. Puis avant longtemps, on se rend compte que finalement, c'était celui qui obéissait à la parole de Dieu, qui préparait son bonheur, qui préparait sa liberté. Dieu veut qu'on soit heureux. C'est pour ça qu'il nous a donné la loi. Et qu'il nous conserva la vie comme il l'a fait aujourd'hui. Nous aurons la justice en pâturage si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Éternel, notre Dieu, comme il l'a ordonné. Vous voyez le cœur des parents là-dedans? Vous voyez qu'est-ce qui se passe? Vous livrez vos tripes? Vous dites non!
On aime l'Éternel, c'est pour ça qu'on obéit. C'est pour ça qu'on le choisit, on le choisit. Toi, moi, on le choisit, on doit le choisir. Ça vaut quelque chose juste si tu choisis. Ça vaut rien si tu fais juste suivre les préceptes qui sont inculqués par quelqu'un d'autre. Choisis l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Attache-toi à lui. On peut passer à la prochaine slide. Donc là, on voit ici que il devait, en obéissant à l'Éternel, en entrant dans l'Alliance, il devait aimer l'Éternel, observer ses commandements. Il devait faire la guerre aux influences idolâtres. Et il devait transmettre la foi à la prochaine génération. On peut passer à la prochaine slide. Et donc là, ce que ça donnait, et là, heureusement, on perd la flèche à droite, mais on ne perd pas la troisième boîte. Ça devait amener la prochaine génération à aimer l'Éternel et à observer ses commandements, selon le plan de Dieu. Ça devait les amener à faire la guerre aux influences idolâtres. Et ça devait les amener à transmettre la foi à la prochaine génération. Là, vous voyez le plan de Dieu. Là, vous le voyez illustré. C'était ça l'alliance que l'Éternel avait pour son peuple. Maintenant, on est dans les juges, puis on se rend compte que ce n'est pas ça qui est arrivé. C'est malheureux, mais on regarde ça ici. Puis, ben en fait, ce qui est heureux, c'est qu'on voit le plan de Dieu. On voit ce que Dieu veut pour nous. Mais si on regarde nos vies, malheureusement, puis je suis même prêt à dire qu'il n'y en a pas probablement une ici qui est exactement ça. Puis Dieu est au courant. David l'a dit dans sa première prédication. Il l'a dit à Josué, tu sais, en fait, au travers de Josué, tu sais, la loi de l'Éternel est élevée, trop élevée pour vous. Vous ne pourrez pas l'accomplir. Est-ce que vous voulez entrer pareil? Oui. Mais pourquoi vous y entrez si vous n'avez pas la capacité de le faire? Parce que vous savez que celui qui a fait l'alliance est fidèle. Vous le savez qu'il vous aime, qu'il va vous relever. Vous le savez qu'il va vous accompagner puis qu'il va vous pardonner. Vous le savez qu'il va vous redonner la dignité quand vous l'avez bafouillé. Vous le savez à quel point il est grand et qu'il vous aime. Vous le savez. C'est pour ça que vous vous engagez. On peut passer à la prochaine. Bon, alors là, on voit un petit... Sauf qu'on a perdu l'autre à droite, mais bon. On voit un petit peu le cadre de l'alliance qui était là à gauche. Mais là, ce qui s'est passé avec la génération des juges, ou la génération qu'on voit nous au chapitre 3 ici, c'est que la première génération s'est attachée à l'Éternel. C'est en blanc. Ils ont aimé l'Éternel, ses commandements. J'ai mis en gris pâle, ensuite, le fait de faire la guerre aux influences idolâtres. Parce qu'ils l'ont fait, mais pas au complet. Fait que donc, ils ont réussi à moitié. Et ensuite, en noir, ce qu'ils n'ont pas fait, de toute évidence. La prochaine partie, ils ne l'ont pas fait. Qu'est-ce que ça a fait? C'est que ça a transporté la deuxième génération dans la catégorie grise de celle qui est sous le châtiment ou la malédiction, mais la correction de l'Éternel. Dieu nous corrige parce qu'il nous aime. C'est ce qu'on voit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12. Dieu corrige ceux qu'il aime et qu'il reconnaît pour ses fils. Parce que dans l'Alliance, on ne s'appartient plus. Parce que dans l'Alliance, Israël n'est plus à elle-même. Mais elle a le seul vrai Dieu pour Père. Et c'est pareil dans la vie chrétienne. On ne s'appartient plus à nous. C'est une erreur de penser qu'on a donné notre vie à Jésus. Jésus nous a libérés de nos péchés, puis on devient finalement, on devient en charge de nos propres vies. Non, on devient à lui. C'est le principe de la rédemption. Quand Dieu nous a rachetés, la rédemption, c'est d'avoir été racheté. Il nous a rachetés du marché de l'esclavage et il nous a fait des esclaves de Christ. C'est ça la vérité. Mais esclaves dans le bon sens. Dans le sens qu'on appartient à un maître qui a livré sa vie pour nous. C'est ça la réalité. Donc, on ne peut pas faire ce qu'on veut. On est à lui. Donc, ils sont tombés dans l'idolâtrie. C'est ce qu'on voit. Ils sont entrés, ils ont flirté, puis ils ont joué avec le péché. La conséquence, c'est qu'ils sont tombés sous l'esclavage du péché, manifesté par l'oppression avec les nations. Ce qui a été la conséquence de tout ça, c'est qu'ils ont crié à l'Éternel. Heureusement, ils le connaissent et ils sont encore dans l'Alliance. Et quand ils ont crié à l'Éternel, ils l'ont trouvé. Et c'est ça qui est beau! C'est ça qui est incroyable! Et ça me donne tellement d'espoir. Et puis, il a suscité des juges, OK, pour faire la guerre aux influences idolâtres. Encore une fois, il a suscité des juges, pas pour enlever les conséquences des mauvaises décisions qu'il avait prises, mais pour les accompagner dans le combat à nouveau, jusqu'à temps qu'il ait réussi à combattre et à chasser ces nations-là et à retrouver la liberté. Dieu veut la liberté. Quand il crie, c'est parce que Dieu voulait qu'il crie à lui.
Et quand Dieu entend leur voix, il suscite l'aide dont ils ont besoin. Et le combat en passant, un combat, puis ça se passe comme ça dans les juges, ça prend du temps. Il ne faut pas s'imaginer que ça veut dire que ça va être immédiatement enlevé. Mais quand la chose, vous vous battez avec, vous vous battez jusqu'à temps qu'elle parte. Parce que vous le savez qu'il a entendu votre voix. Parce que vous le savez qu'il voulait votre bien puis votre liberté. Et c'est comme ça qu'on se bat jusqu'à ce que Dieu nous libère. Et quand Dieu nous libère, là ensuite, on vit cette liberté-là et on veut le louer de tout notre cœur. Ça amène à transmettre à la génération suivante une délivrance de 20 à 40 ans. On le voit dans les juges, là, c'est un pattern qui dure à peu près de 20 à 40 ans. Des fois 80, comme on l'a vu, mais la génération d'après, de toute façon, connaît d'autres asservissements. Mais il devait transmettre la loi à la prochaine génération, c'est-à-dire transmettre le cœur. Et malheureusement, cette génération-là, après avoir connu pourtant, elle, la délivrance, ils ne l'ont pas transmis à leurs enfants. Fait que là, on ne voit pas là, mais bon, là, ça fait encore une flèche qui descend, exactement comme celle-là. Ça fait une flèche qui descend là pour la génération 3, qui, elle, commence sa vie dans l'idolâtrie et puis va reproduire exactement le même pattern. Donc là, on verrait un pattern qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. Ça, c'est l'histoire des juges. Parfait. On peut le laisser là. C'était la dernière slide, de toute façon. Là, je vais juste retrouver mes bonnes notes. Là, maintenant, je vais faire un lien avec la réalité de la Nouvelle Alliance. Voyons, il y a quelque chose qui manque. OK. Je me bats avec mes feuilles, je suis désolé. Donc là, dans la Nouvelle Alliance, puis là, je n'ai pas le temps d'embarquer dans les détails, mais il y aurait quelque chose de vraiment intéressant à dire sur le repas du Seigneur, puis comprendre c'est quoi l'Alliance qui est représentée dans le repas du Seigneur. Quand on fait le repas du Seigneur, Jésus est en train d'expliquer la Nouvelle Alliance qui est signée par son sang. Dans la première Alliance, il y avait un engagement d'un peuple qui reconnaît son besoin. Il reconnaît son besoin, ça se manifeste par le fait qu'il sait qu'il a besoin d'un sacrifice. Dans Exode, au chapitre 24, c'est-à-dire qu'il y a un sacrifice qui est fait pour le peuple. Pour pouvoir entrer dans l'Alliance, il faut que quelqu'un qui est innocent meure. Il faut que les fautes soient mises sur quelqu'un d'autre. Il faut qu'il y ait un acte de substitution, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un substitut pour mourir à notre place. Ensuite, ce que Moïse fait au chapitre 24 d'Exode, c'est qu'il prend le sang du sacrifice puis il l'asperge sur le peuple. Quand il asperge le sang sur le peuple, c'est qu'il manifeste que le peuple vient d'entrer dans l'alliance qui a été signée par le sang. C'est ce qui se passe avec la Nouvelle Alliance quand Jésus est devant les disciples, entre autres dans Matthieu 26, et qu'il dit « Voici, ceci est mon corps », tu sais, en parlant du pain, « qui est livré pour vous ». Il est en train de parler du prix de ce sacrifice-là. Et là, ensuite, il leur passe la coupe, et quand il leur passe la coupe, il leur dit, « Voici le sang qui est versé pour vous. C'est le sang de l'Alliance par lequel vous entrez dans le peuple de Dieu. » Il ne dit pas par lequel vous entrez dans le peuple de Dieu, mais le sang de l'Alliance. Ça, c'est un thème qui est repris vraiment en détail théologique extraordinaire là, dans Hébreux, chapitre 7 jusqu'au chapitre 9, un petit peu dans le début du chapitre 10, où il explique vraiment de quelle manière cette alliance-là, elle est scellée par le sang. Puis de la même manière que Moïse, pour que le peuple puisse entrer dans une relation avec l'Éternel qui est saint, il fallait qu'une victime, tu sais, que notre culpabilité soit transférée sur une victime. Et ce sang-là devait être la chose qui permettait ici à ceux qui croyaient à leur besoin d'entrer dans une relation avec Dieu, eh bien, ils entraient dans l'alliance sur la base de leur foi. Nous aussi, quand on est venu à Christ, on est entré dans le royaume, on est entré dans l'alliance sur la base de notre compréhension, de notre acceptance. J'ai besoin de ça. J'ai besoin que quelqu'un meure à ma place. Et cette personne-là, c'est Christ qui est mort pour nous. On n'a pas besoin de refaire les sacrifices une fois par année et puis sur une base régulière, puisque lui, c'est un sacrifice parfait, permanent, nous dit l'Épître aux Hébreux, qui déclenche une alliance éternelle et un salut qui est éternel, qui ne peut jamais être annulé par rien d'autre. Donc, on entre dans une alliance, et l'Épître aux Hébreux le mentionne vraiment, qu'on participe au chapitre 10 en particulier, c'est à la fin du chapitre 10, ou non, c'est au chapitre 12, qui mentionne qu'on a participé à l'aspersion du sang. C'est un thème qui est repris par Pierre dans sa première épître, au chapitre 1, verset 2. Il dit, « Vous qui avez participé à l'aspersion du sang,
Tu sais, c'est le sang de l'alliance. Dans cette nouvelle alliance-là, on devient les enfants de Dieu. Dans la première alliance, un peuple devenait le peuple de Dieu. Dans la deuxième alliance, un individu devient l'enfant de Dieu. Dans la première alliance, tu peux faire partie du peuple de l'Éternel, mais ne pas être un enfant de l'Éternel, parce que ta foi n'a jamais été activée. De la même manière, on peut faire partie d'une famille qui est entrée dans une alliance avec Dieu, mais si tu ne déclenches pas ta propre foi dans le sacrifice de Jésus et que tu ne lui donnes pas ta vie toi-même, tu ne fais pas partie de la famille de Dieu. Tu sais? Donc, la même chose est en train de se passer ici. Et nous, on est tous individuellement entrés là-dedans. Pour devenir enfant de Dieu, il a fallu qu'on passe par cette expérience-là personnelle. Et par cette expérience personnelle-là, c'est qu'on est entré par la foi. Ça, c'est le bloc qui est à moitié bouffé à gauche. On est entré par la foi dans une alliance avec l'Éternel dans laquelle on s'est attaché à lui, à l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et lui appartenir à lui seul. Et effectivement, on est devenu ses enfants. Et puis là, on s'engage dans une guerre contre l'influence idolâtre dans nos vies et contre le péché et à transmettre à la génération d'après. Donc, quand on fait le repas du Seigneur, on est en train d'expliquer exactement ça. C'est pour ça que le repas du Seigneur est important. C'est pour ça qu'il l'a donné à l'Église pour qu'on le répète et qu'on se le rappelle continuellement, parce que c'est la chose qui doit réaligner nos vies continuellement. On se trouve devant le pain, et on se rappelle qu'on est entré dans cette alliance-là par laquelle on a la vie éternelle, et qu'il n'y a plus aucune condamnation pour nous, parce qu'il est mort pour nous. Son corps a été brisé. Et ensuite, quand on prend le jus, on se rappelle du sang qui a marqué l'alliance. Donc, c'est extrêmement significatif. Et ça nous rappelle qu'on est dans une alliance. Et encore une fois, ce qui marque l'alliance dans le contrat de l'alliance, c'est qu'on ne s'appartient plus à nous-mêmes. On ne peut pas faire ce qu'on veut avec nos vies. Elle n'est plus à nous. Dans Corinthiens, chapitre 6, versets 19 et 20, Paul le rappelle aux Corinthiens cette réalité-là. Il dit, vous ne vous appartenez plus à vous-même. Vous avez été rachetés à un grand prix. Faites donc de vos membres un sujet de gloire pour Dieu. Tu sais, que toutes vos actions soient dirigées maintenant pour glorifier ce Dieu-là, à qui vous appartenez, vous qui ne vous appartenez plus à vous-même. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez avec votre vie. Mais on vit au milieu des idoles. Et on vit au milieu des idoles qui ont déjà eu un contrôle sur nous. On vit au milieu des idoles qui sont à l'extérieur de nous et qui continuellement veulent nous influencer. On vit en tant que pécheurs dans une alliance. Et Dieu nous appelle continuellement à faire un reset et à dire, viens, rappelle-toi de ma mort. Rappelle-toi de l'alliance. Rappelle-toi que je t'ai racheté pour moi. Rappelle-toi, relève ta tête. Accepte pas le faux témoignage de l'ennemi qui te dit, tu peux plus lever ta tête. C'est fini pour toi. Dieu veut plus de toi. C'est à toutes les fois qu'on prend le repas du Seigneur, on se rappelle, on relève la tête, on repart avec la confiance complète que même si ça fait 300 fois qu'on dit à Dieu qu'on va finir de livrer cette guerre-là, il va encore nous accompagner. Il n'arrivera jamais le temps. Il va dire, je t'écœuré, j'en veux plus. C'est ça qu'on va faire ensemble en prenant le repas du Seigneur maintenant. Vous voulez faire ça? Je propose qu'on prie. Ensuite, vous pourrez venir prendre les éléments. Et puis, avant que vous preniez les éléments, on va prendre le temps de prier spécifiquement pour chacun d'entre eux. Et puis, vous pouvez venir les musiciens en avant. Et puis, je veux juste vous rappeler une chose, c'est que le repas du Seigneur, donc vous comprenez, on a bien expliqué ce que c'est, il y a sa signification dans le fait que quelqu'un est passé par cette expérience-là de la foi, de s'être livré à Jésus, d'être entré dans l'Alliance. Si ce n'est pas quelque chose que vous avez encore fait, il n'y a aucun blâme, on doit tous y entrer. Mais cet événement-là, il y a sa signification pour ceux qui y sont déjà entrés. Et généralement, on le mesure, entre autres, par le fait de s'être fait baptiser, d'avoir attesté publiquement qu'on était entré dans cette alliance-là avec Dieu. Donc, je vous encourage, à tous ceux qui sont passés par le baptême, à participer à ce mémorial-là du repas du Seigneur. Si vous n'avez pas connu ça encore, ce n'est pas grave. Dieu vous aime énormément, autant, et veut que vous entriez dans l'alliance quand même.
Donc, on va prier. Seigneur, je te demande juste de faire en sorte que ce qu'on va faire maintenant nous rappelle réellement ce qui s'est passé. Et que cette alliance-là, Seigneur, relève nos têtes pour faire de nous des enfants de Dieu qui renouvellent l'engagement pour le combat. Je sais que tu vas nous accompagner, Seigneur. Donc, vraiment, je te demande d'être avec chacun qui va venir ici prendre les éléments, qui va retourner à sa place et qui va s'engager devant toi aujourd'hui. Amen. Vous pouvez venir. Gênez-vous pas. Quand on va prendre le pain, on va prendre un temps de silence où vous allez prendre le pain. Et je vous encourage à prendre le temps de... Merci beaucoup. Oh, excusez. Vraiment à prendre le temps de vous rappeler que vous êtes enfant de Dieu et que ça a coûté la vie de votre Dieu lui-même qui est venu marcher sur terre et qui a vécu exactement tout ce qu'on n'a pas réussi à vivre dans son amour, non seulement ça, mais il a été frappé de la colère de Dieu à notre place, quand son corps est brisé sur la croix, quand il perd son sang, quand il meurt, écorché vivant, c'était par amour pour nous, c'était pour nous racheter. Quand vous allez prendre le pain, quand on va prendre le pain, je vous demande de prendre une minute pour le remercier ensuite, de vous avoir de cette manière-là aimé pour vous attirer à lui. On peut prendre le pain maintenant. On va prendre le vin, mais en fait, c'est du jus, mais qui représente le vin, qui représente en fait son sang. Rappelez-vous de l'alliance, maintenant, qui a été ouverte devant vous par le sang qui a versé sur la croix. Si vous êtes enfant de Dieu aujourd'hui, dans cette alliance-là, vous lui appartenez. Que cette coupe-là nous rappelle l'engagement à l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée. Et puis à renier, à se battre contre l'influence du péché, d'avancer vers lui dans l'obéissance. On peut prendre le jus.
vais terminer avec la lecture d'un passage. Parce que là, je vous encourage vraiment à retourner chez vous et à méditer là-dessus au courant de la journée et à renouveler votre engagement de marcher avec l'Éternel, votre Dieu. Je m'engage à faire la même chose. Qu'on s'engage ensemble à être lucide sur les choses qui doivent être adressées dans nos vies et à planifier, de relever la tête et de se battre avec la force que l'Éternel va nous donner jusqu'à ce qu'il nous donne, pour la gloire de son nom, la délivrance sur chacune des choses qui peuvent nous retenir. Ésaïe 55, versets 1 à 3, puis verset 6 à 8. « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. » Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. À notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Bonne semaine tout le monde. Toi, les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent de la foi, aux chancelants, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi.